représenter de la vie au peuple, de la vie aux nations, nous-mêmes, dans le secteur démocratique et populaire SDP, c'est avec consternation, nous avons constaté comment l'État Béline a décidé d'ouvrir l'école. Ça fait trois soufflets qu'il nous prend. Il n'y a pas de gens qui attention pour faire l'école. Oh, c'est que je vais créer condition pour ça. Quoi faire gaz qui a fait parler de lui, mais gaz n'a pas c'est urgence. Gaz n'a pas c'est produit de nécessité. L'on des prix qui s'actue. On garde des prix, mamie poids. On garde des prix produit pour mes nécessités. Nous demandons qui compte par le jeu de l'argent pour faire boire petit mousseau chaque matin. Affecter son gaz là, où elle est dans sa palais, c'est un moyen pour tout faire peuple là. Et le sous-secrétaire d'État américain clair, il dit qu'il a appuyé à Yelori parce qu'il a monté gaz là. Il a appuyé à Yelori parce qu'il a sacrifié peuple là. Et ministre clair, il nous si nous achetons gaz là, 4000 gouttes, 5000 gouttes, nous achetons 600 et quelques gouttes. Ça veut dire, rauter gaz là, c'est une politique pour te faire nous acheter pour 600 dollars, pour qu'on acheter pour 120 dollars. Peuple haïtien, vous parlez dans ça, trois soufflets dans l'école là. Nous-mêmes, nous avons mis l'école ouverte. Mais pour l'école ouverte, il faut que les conditions qui créent pour ça. Pour les hommes toute la journée. Professeur Médor Eustache sont jusqu'à fou pour lui préparer l'ouverture de l'école. Ils ont balle à la tête. Ils ont 5 petits mounes. L'État n'a pas dit rien. Ministre éducation nationale à oui, il faut que l'école ouvre, mais il faut que les conditions qui créent pour ça. Parce que le peuple a payé taxes, c'est pour que les taxes retournent sous lui sous forme de service. Et d'abord le peuple haïtien, si nous avons l'État ça, ouvrir l'école pour nous, nous ne pouvons jamais ça. C'est nous-mêmes qui vous mobilisez, c'est nous-mêmes qui vous protestez nous-mêmes. Pour petit, nous qu'à l'école, parce que la majorité des ministres du gouvernement, boum, pas du tout, ministre petit, l'école déjà, l'école ouverte, l'école pas ouverte, c'est pas bien, on y est, parce que les petits paillots à l'école déjà, merci. Les frères, les camarades, et la presse par les prix en ligne et télévisé. Et nous comptons avec nous après-midi, mais nous connaissons que c'est avec un peu de tristesse. Jean-Boris Telon se dit là que nous avons fait conférence à matin. Parce que nous-mêmes, au niveau de la presse, nous sommes une institution qui est plus visée dans le dernier moment après l'institution policière. Et c'est même la police, ça, même institution ça, en pile et policier qui l'a donné a servi qu'à intimider la police parce que. Nous-mêmes, garantie liberté, la parole, constitution 87, pays a garanti dans l'article 28.1 et suivant. Il garantit liberté, la parole, en particulier comment pour la presse le travail. Et nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, là, nous présentons ce parti, nous, condoléances, nous, à toutes 100 000 la pression, et non seulement pour tous les journalistes qui disparaissent pendant le mois d'octobre, là, nous connaissons les dernières dates pour le mois d'octobre, là, c'est le journaliste Romain Vincent que la police a assassiné dans la cour commissariat de Matantoua. Et c'est avec un peu de tristesse que nous avons appris la nouvelle. Ça. Et ça pique grave là. Et il a fait une stratégie pour montrer que le journaliste va mourir en dedans la cour commissariat. Peu importe que le mourir à l'hôpital, il mourir dans la cour. Il n'y a pas de droit pour prendre balle. La tête en dedans la cour commissariat.
parce que son journaliste qui devait faire solidarité avec camarade dimanche, que la police était maltraitée, était arrêtée de façon illégale. Et là, ça, nous avons voulu pour commencer, pour nous parler, par une sympathie avec toutes les amis, la pression, qui a passé de moments très difficiles. Nous-mêmes, au niveau du secteur démocratique, nous, jusqu'à présent, nous avons des camarades, nous, et Jean-Denis Joseph, qui est mort, qui a préparé pour fournir à la fête, en fin de semaine là. Et d'ici jeudi après demain, on a communiqué là avec la presse pour la presse capable d'accompagner nous dans ce moment-là. J'ai une bonne aventure ferme. Et pendant deux mois de bataille, ça, les situations sont lamentables. D'ailleurs, nous connaissons déjà les bilans catastrophiques par rapport avec tout massacre que la police fait sur la population, sur les manifestants. Et dernière date, nous voyons ce qui est passé sur Delma, et nous voyons ce qui est passé sur Tiboual, nous voyons ce qui est passé sur Jacques Mel, et pas de aucun monde qui est parmi. Et nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, là, nous ne pouvons pas voir qui ça, Ariel Henry, a dirigé là. Parce que l'on a dirigé, l'homme dans l'État, ou là, pour faire service. Tout le monde qui est dans l'État, il va prendre des serviteurs publics. Mais malheureusement, depuis un ensemble de Haïtiens et Haïtiennes arrivés dans l'État, ils ont oublié de créer nos armes, qui sont aussi serviteurs publics. Mais nous-mêmes, matin, au niveau du secteur démocratique, on a rappelé que nous sommes serviteurs publics. Et serviteurs, ça a failli à mission. En bon exemple, et Ariel Henry, c'est médecin de tout contre. Majorité de l'hôpital, le pays, n'a pas d'oxygène. Et nous connaissons l'oxygène, c'est un matériel qui est important, c'est un outil qui est important pour quel que soit le monde dans le pays. Si vous êtes malade, si vous prenez balle, si vous tombez, vous ne pouvez pas respirer, vous n'avez pas de bouquet pour en vie, c'est l'oxygène. Mais ça n'a pas fait médecin que Ariel Henry a rien. Mais dans ce sens, nous avons présenté ce parti encore une fois à M. Base 47. Nous connaissons depuis le mois d'octobre, là, ils ont fait deux massacres sur nous. Premièrement, ils ont perdu trois camarades que nous connaissons dans la condition que nous tous connaissons au niveau du Palais Bouquet. Et semaine dernière, ils ont perdu cinq autres camarades. Ça veut dire que nous avons une machine de répression, caravane en moi, pouvoir déclencher. Et le déclencher, c'est la dynamique pour casser la mobilisation du peuple. Mobilisation contre la misère, mobilisation contre la vie, mobilisation contre la cherté de la vie, mobilisation contre monter Gaza et mobilisation contre le peuple demandé départ à l'Iran. C'est grave. Nous voyons que il y a des gens qui devant votre peuple, votre population, qui t'a revendiqué avec un long moment de nous. Et nous voyons que nous disons, ces gens qui ont tourné bourreau vos côté pouvoir pour salamber la population. Ils ont traité de mobilisation, peuple à faire, mobilisation gang. Et ils ont dit que mobilisation ça n'est pas utile à rien. Et nous connaissons que le peuple haïtien, par contre, un défi quand même. Et au lieu que mobilisation ça t'a permis pouvoir de facto illégal, faire effort pour améliorer les conditions. La vie population, nous voyons des bagages qui marchent chaque jour. Par exemple, le kidnapping là a augmenté chaque jour. Chaque côté, pas aucun monde qui est exempt. Ma ville là matin, tout le monde là calme, a dit attention, c'est brillé, etc. Eh bien, et pas seulement moi-même, il va là pour la famille sénateur Kassi, famille professeur Télo, et nous-mêmes, famille pas nous tout. Il va là pour nous. Ça veut dire avec situation ça que chaque jour, nous levons. Au jour le jour. Et nous, planification pour tuer le peuple en petit. Ça est clair, moi dis nous ça comme économiste. Ça permet là, maman petit, ma ressenti. Je suis sûr. Comme ça, nous avons travail, nous avons pas d'effort. Et puis, il faut dépenser, il faut manger. Ça veut dire, pas d'effort à faire tout pour relancer la production nationale. Ma plan sur mes sailles, par les paysans, ça qu'a planté, planté. Patate, manioc, yam, maïs, planter, parce que c'est le repos qui me parle. Moi, je dis non ça. C'est l'économie qui me parle, mais pas politique. Sur le plan politique, qui ça fait? Sur le plan politique,
n'a pas d'accord avec pas gagné en rien qu'à faire la même chose. Tout bagaille à l'état mort. Ça t'avait dit ça? Ça t'avait dit qui ça? Ça t'avait dit que nous-mêmes, nous devons être responsables. Moi-même, comme ancien sénateur, mon peuple haïtien fait un peu de confiance. Sénateur deux fois. Je fais études en Haïti. Je fais trois facultés en Haïti. Je suis doué peuple haïtien. Donc, je ne suis pas. Je toujours bataille pour côté peuple haïtien. Je dis, je suis un seul pays. Je suis Haïti. Au monde, aux amis Haïti, aux amis. Ou pas amis Haïti, ou pas amis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ne peut jamais trahir le pays. On ne peut jamais trahir. On ne peut jamais trahir la bataille du peuple. On ne peut jamais trahir. Et ma petite, nous sommes petits malheureux. Nous sortons dans le milieu paysan. Je suis pas de prince. Je prends toute disposition. On ne peut entrer dans un rien qui n'est pas bon. On ne peut entrer dans un rien qui louche. Et ça fait. Mais quand toujours dit ça, et c'est ça que bon droit pour nous porter revendication au peuple. Et ça que bon droit pour nous parler dans nos peuples. Et c'est dans ce sens que je dis, je dis, ça qui a passé sur l'échiquier politique là, il doit servir une leçon. Il y a des gens qui ont pensé trahir le peuple ici est un bon pour eux. Il y a des gens qui ont pensé faiblir ou bien céder face avec pression d'un bon pour eux. De quoi défendre une bonne cause, de quoi défendre une cause haïtienne, ou pas de céder. Ou pas de céder, il faut qu'on kembe. D'ailleurs, de vous clean, de vous propre, pour qu'on bataille sans problème. Et c'est peut-être ça, je dis, international. Partition pour, c'est aider acteurs à joindre une solution. Ce n'est pas imposer une solution. Pensez que ce qu'on tout si on parle de solution. C'est accompagner. J'en ai fait la réunion que fait sur le Conseil de sécurité de l'ONU. L'a demandé pour tout acteur mettre tête ensemble. Et ma petite acteur, si il y a des bagages qui passent là, c'est eux qui causent. Parce que moi-même, SDP, toujours demandé mettre tête ensemble. Et nous-mêmes, au niveau SDP, nous faisons tout ça qui est possible pour la région. Dans le accord 11 septembre, ce n'est pas souci pour nous permettre que la crise résolue. Mais que méchanceté ne va pas faire. Nous faisons appel avec tous les acteurs pour mettre ensemble pour nous résoudre. Ce n'est pas jamais. Mais je dis à ma prédit encore, SDP n'a pas fait aucune exigence particulière, aucune demande particulière pour tête. SDP n'a pas revendiqué rien. SDP dit à acteurs de chiter ensemble. Et c'est ça que nous comme proposition. Ou elle n'a pas fait proposition parce qu'elle fait trois propositions qui n'ont pas apporté résultat. Proposition qu'elle met là, c'est pour tout acteur au Chita pour jouer une solution, pour retirer le peuple dans sa ligne, le peuple sous le corps. Et c'est ça que nous demandons. Et c'est pour ça qu'elle a travaillé. Nous ne pouvons pas le bloquer pour nous dire besoin de président. Nous ne pouvons pas le bloquer pour nous dire besoin de premier ministre. Nous ne pouvons pas le bloquer pour nous dire besoin de premier ministre. Nous avons bloqué si elle est le peuple. Pas là-dedans. Et c'est ça, là. Mais de bien intérêt, le peuple a garanti. Et si nous-mêmes, nous bataillons pour le peuple, nous travaillons pour le peuple, à un moment, nous devons nous mettre. Vous pensez sur le plan politique, nous avons fini pour nous bâtir. Le jour d'hier, le peuple haïtien a vécu un tournant historique. Côté international, là, plein impliqué. Mais ma petite internationale là, pendant que je ne pas oublier pour le gouvernement de facto qui là. Le gouvernement de facto, ça a tout le peuple en face, tout acteur politique en face. L'information qu'il a là, il y a qui doit être vrai, il y a qui doit être fausse. Parce que c'est avec autrui. Parce qu'on ne peut pas traiter avec le corps social là, le corps politique pays. On ne peut pas traiter avec. Ça veut dire, je dis à nous, dans un système démocratique. Jean-président Biden, Jean-ancien président Obama dit,
démocratie aux États-Unis menacée, mais démocratie en Haïti en est actuelle. Ça veut dire important pour nous. Et c'est peut-être ça l'amdi, l'important. Et toute disposition qu'a pris, toute décision qu'a pris, nous devons motiver par la raison et par l'objectivité et par sa réunion des cadeaux. Bref, tout ça qu'a pris là. Par exemple, c'est bien malheureux qu'il y ait des dispositions qui prennent compte des sénateurs Yuri, sénateur Lambert. Nous souhaitons que justice soit pour eux, parce que maintenant, ils ont dit qu'ils sont innocents. Mais de l'autre côté, ils ont dit qu'ils ont des responsabilités. Nous-mêmes, comme nous avons fait politique avec eux, nous avons bien aimé gagner toute vérité sur les choses. Et nous n'avons pas dit que nous ne sommes pas gagnés. Nous voyons ce qu'il y a et nous sommes positionnés. Bien content des démarches pour rétablir la vérité et pour la justice triomphe. Et c'est dans ce sens que m'a demandé la justice haïtienne. Pour nous faire effort pour nous prendre responsabilité. Pour les citoyens de la CAILIO, les capables de juger, les capables de prononcer le sou. Et là, ça permet que l'international là, nous fasse sa entrée judiciaire pour bien. Et laisse ça nous assurer que pas gagner ni habit ni méchanceté. Et nous souhaitons que tout bagaille est passé. Même pas capable de bouger tout parfois. Les pas comprendre que c'est intérêt de faire tout devant. M'entendez les histoires qui ont passé là, c'est des bagailles terribles. Comment j'ai perdu l'élection, c'est des bagailles terribles. Que comme monde, comme peuple, nous ne pas passer. Et c'est là que nous avons des problèmes. Ça ne pas passer. Nous ne sommes pas élus pour ça, nous ne pouvons pas aller avant, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Mais pas faire ça, ça ne va pas faire la bataille. Je vais finir pour me dire, nous-mêmes, au niveau SD, nous continuons à accompagner le peuple dans toute mobilisation pacifique qui respecte les valeurs démocratiques et les valeurs républicaines. Nous accompagnons les jeunes, nous accompagnons les citoyens conséquents. Nous avons accompagné pour nous sortir dans ce pays-là. Et SDP a travaillé sans relâche. Et la facilité à terre, qui est ensemble pour résoudre. Et moi, bien content que j'ai fait un effort au niveau Montana, et l'autre groupe toujours. Moi, bien content. Mais je dis, nous-mêmes, au niveau SDP, nous avons deux travails. Un, nous avons travaillé pour nous permettre que la crise résoudre. Avec toute force. Sans nous pas faire d'exigence personnelle. C'est l'exigence, c'est l'exigence de revendication peuple. Nos fondamentaux, c'est une exigence. Deuxième bagaille que nous disons, nous, par rapport avec la complexité, la crise haïtienne qui est chronique, et par rapport avec le problème que nous ne résoudre, nous dit que nous travaillons pour le futur. C'est dans ce sens que nous annoncé le peuple ici. Dans petit peu ici. Immédiatement que la crise la résout, d'une façon ou d'une autre, on a fait un congrès historique sur l'avenir équipe politique. Et c'est ça que fait aujourd'hui à la congrégation, tout le monde qui a dit ça, vous voulez. Même nous avons fait un congrès historique au nom de la jeunesse en d'un pays. Nous allons instituer, nous allons créer des outils pour gêner le peuple ici. Et je dis à des gens qui quittent les batailles là, qui ont préparé, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons fait des batailles. Nous avons bataillé sur le terrain pour nous permettre que le pays avance en outils. Et nous avons bataillé pour nous permettre que les jeunes aient des outils. Des outils historiques. Et nous avons fait des batailles. Pas de bataille, pas de pour les politiciens ici à faire des bagailles pour des jeunes. Nous avons fait rien pour des jeunes. Parce que SDP est jeune, des cadres là-dedans. Je ne fais pas des bagailles. Immédiatement, la crise a résolu. Nous pouvons aller s'appeler sur le politique. Est-ce qu'il a appelé SDP ou est-ce qu'il a appelé l'autre? Non, pas. Mais ce qui est important, c'est que nous avons besoin.